Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal du lundi 30 mai 2022 depuis Daoukro. Nous ouvrons cette page de l'information essentiellement meublée par les obsèques du patriarche Bédié Kofi Marcellé, frère aîné du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Depuis le vendredi 27 mai 2022, ont débuté après Pressou, village natal du président Henri Konan Bédié, les obsèques de Nonon Bédié Marcellin, décédé en août 2021. Plusieurs délégations ont effectué le déplacement pour prendre le pas de deuil et apporter soutien et compassion à la famille de l'illustre disparu. Ce lundi 30 mai 2022 a marqué la quatrième journée de la présentation des condoléances avec la zone Zadi. Une forte délégation d'au moins 1000 personnes, conduite par le vice-président Alphonse Djedjemadi, chef de la délégation, était aux côtés du président Henri Konan Bédié. Qui va s'incliner respectueusement devant la mémoire de son frère aîné. Ils sont venus de sept grandes régions de la Côte d'Ivoire pour cette quatrième journée de présentation des condoléances au président Bédié. Réunis au sein de la zone Zadi ou encore zone Ouest, les populations du Haut-Sassandra, du Go, de la Nawa, du Lodjibwa, de la Maraoué, de San Pedro et du Gboklé ont effectué nombreux le déplacement sur le village de Pepressou, à 10 km de Daoukro, pour soutenir le président Bédié et prendre leur part de deuil qui frappe la famille Bédié et alliés. Le vice-président Alphonse Djedjemadi, président de la zone Zadi, conduisait cette forte délégation qui comprenait d'éminentes personnalités du PDCI-RDA, dont le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakougikawe. Était également présent le ministre Alain Richard Donvahi, fils de la Nawa et filleul du président Henri Konan Bédié, venu exprimer le yako de la grande famille Donvahi. La grande famille Bédié a pu compter également sur la solidarité et le soutien de la cour royale de Sakassou, fortement représentée. À ce grand rassemblement, des populations de la zone Zadi, le riche patrimoine culturel de l'Ouest a été mis en exergue. Les élus, cadres et têtes couronnées, avec en tête de file le vice-président Alphonse Djedjemadi, président de la zone et chef de la délégation, se sont inclinés devant la mémoire de l'illustre disparu avant de présenter leurs condoléances au président Bédié et à toute sa famille. Toujours dans cet élan, le vice-président Alphonse Djedjemadi a donné les nouvelles au nom des sept régions que compose la zone Ouest Zadi. Selon le chef de la délégation, il est important que leur région soit aux côtés de la famille Bédié dans ce deuil qui les frappe et pleurer avec elle. L'honorable Abi Richemont a, au nom de la zone Zadi, fait de nombreux dons en numéraire, en vivres et en non-vivres. À la suite de la zone Zadi, ce sera au tour du Grand Nord de présenter ses condoléances à la famille Bédié le mardi 31 mai 2022. La région, dite région Ouest Zadi, traduire sa compassion au président Henri Konan Bédié et à sa famille à l'occasion du décès d'un membre de sa famille, Bédié Kofi. Comme vous le constatez, on a appelé nombreux avec aujourd'hui ce coup pour traduire à notre compassion à toute sa famille. C'est vraiment du fond du cœur. Toutes ces personnes que vous voyez s'expriment pour dire Yako au président Bédié et à toute sa famille. C'est la vie, elle est ainsi faite. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas qui malheureusement arrivent. On doit prendre courage et dire que tout ce que Dieu a bon, comme disait le Saint-Paul Job. Courage au président Bédié et à sa famille, courage à tous ceux qui sont venus traduire leur compassion.
La rédaction de PDCI TV vous propose à présent la synthèse de la série de présentation des condoléances qui a démarré depuis le vendredi 27 mai 2022 avec les délégations de l'IFU, du Grand Centre de l'Est et de la zone ouest montagneux. Les obsèques de Nonon Bédé Kofi Marcelin, chef du village de Pépressou, chef de la tribu Nambé, frère aîné du président Henri Konan Bédié, ont débuté depuis le vendredi 27 mai 2022 et se poursuivent jusqu'au dimanche 5 juin 2022 à Pépressou. Différentes délégations venues des régions de la Côte d'Ivoire se sont succédées à ce jour, notamment la région de l'Ifou, région natale du président Henri Konan Bédié, qui a inauguré les dites cérémonies le vendredi 27 mai 2022. Les zones du centre, de l'est, de l'ouest montagneux se sont successivement présentées à Pépressou les samedis 28 mai et dimanche 29 mai 2022 pour exprimer leur soutien et traduire leur compassion au président Bédié et à sa famille. D'autres délégations sont attendues jusqu'au jeudi 2 juin 2022. L'inhumation est prévue pour le samedi 4 juin 2022 dans la stricte intimité familiale. Célébrons à présent la vie avec celle qui donne la vie, la mère. À l'occasion de la fête des mères, l'honorable Dia Oufoué, députée de Yopougon, a honoré les mamans de sa commune à travers la fondation Dia Oufoué. Il les a couverts de nombreux cadeaux. C'était le samedi 28 mai 2022 à la place au CP1 de Yopougon. Dans la vie, la La deuxième édition de la fête des mères initiée par la fondation Dia Oufoué s'est tenue le samedi 28 mai 2022 sur le terrain de l'esplanade CP1 de Yopougon. Cette journée dont l'objectif était de célébrer et magnifier les mamans de la commune de Yopougon s'est déroulée dans une atmosphère festive. Chants, danses, prestations artistiques, concours culinaires et Miss Aoulaba ont ponctué cette cérémonie. Ce sont des milliers de femmes appartenant à plusieurs associations et sections PDCI RDA venues des quartiers environnants de Yopougon qui ont pris part à cette rencontre. Ouvrant la page des allocutions, c'est la petite Thieu Olivia qui a rendu un vibrant hommage au maire de la commune de Yopougon à travers un poème. À sa suite, Clément Ewodje, directeur de la fondation Dia Oufoué, a salué l'initiative de son président sans manquer de le remercier pour toutes ses actions à l'endroit des femmes de la commune. En ce jour qui marque la journée de la célébration de la femme, nous avons aujourd'hui, ici à la place CP1, réunis un peu plus de 16 000 âmes pour danser, chanter autour de la coqueluche de Yopougon qu'on appelle affectueusement Dia Oufoué, la nation que je demande d'ovationner. Vous avez mandaté votre cabinet politique ainsi que la fondation, dont j'ai la charge de diriger l'administration et assister au quotidien par toutes ces dynamiques. Femmes aujourd'hui qui m'encadrent, qui saisissent cette occasion pour vous dire félicitations pour tout ce que vous faites pour les femmes de Yopougon. La joie immense, je suis ému, il n'y a pas de mots. Le seul mot qui retient mon attention et l'attention de mes collaboratrices ici présentes, merci. Dia Oufoué, parrain de la cérémonie, s'est dit satisfait de cette mobilisation. Il a par ailleurs souhaité une agréable fête des mères au moment, puis réaffirmé son engagement et son soutien à leur endroit. Aujourd'hui, c'est à vous qu'on est venu célébrer. L'année passée, je vous avais dit que la deuxième édition sera plus grandiose. Est-ce que ça n'a pas été plus grandiose? Mais vous savez quoi? La prochaine édition sera encore plus grandiose. Parce que je serai assis à la mairie de Yopougon. Vous le méritez amplement. La maman de Yopougon, vous le méritez. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, c'est parce que vous avez participé. Vous êtes mieux que toutes les femmes aussi de la Côte d'Ivoire. Vous méritez d'être célébrés. Et votre fils que je suis, j'ai l'obligation de vous célébrer chaque fois.
Et je ne vais jamais m'arrêter. Parce que quand je vous vois nombreux comme ça, vous me donnez la force de continuer. Vous me donnez la force de continuer. Vous êtes nombreux. Mais je vais vous dire aujourd'hui, chacune parmi vous aura un cadeau. Chacune aura un cadeau. Chacune un cadeau pour tout le monde. À la suite des différents discours, ce sont plusieurs récompenses composées de paniquita, téléphone portable, sac de riz, réfrigérateur et enveloppe qui ont été remis des mains de l'honorable Diaoufoué, au lauréat des concours de danse, concours culinaire et Miss Aoulapa. Le député Diaoufoué, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous les honorables ici présents, que Dieu bénisse tous les mamans qui ont participé. J'espère que l'année prochaine, la fête sera encore plus belle. Cette année, il soit mère. Que Dieu lui donne longue vie, la mère, plus longue vie, au nom de Jésus. Merci. Je suis tellement heureuse. Je suis contente. Bonne fête des mères. Cette cérémonie s'est achevée par la distribution des cadeaux à toutes les mamans présentes à cette deuxième édition de la fête des mères. Voici l'essentiel de ce journal. Restez connectés sur PDCI TV.